Salut tout le monde, on est aujourd'hui sur Splinter Cell, premier du nom, je sais pas, enfin en tout cas c'est la version sur PC. C'est la version en fait qui a été offerte par Uplay, enfin par Ubisoft plutôt via Uplay bien sûr, pour leurs 20, 15 ans, je sais absolument pas, mais ce qui est cool c'est que si vous avez un compte Uplay, vous avez des jeux gratos de la part d'Ubisoft. Là c'est le deuxième jeu en date, le dernier c'était le premier plutôt c'était Prince of Persia, les Sables du Temps, donc sur PC. Là ce mois-ci, donc en mois de juillet, c'était Splinter Cell. Et moi ça me permet, bah je trouve que c'est vraiment sympa en fait, parce que ça me permet vraiment de découvrir des jeux que je connaissais mais que j'avais pas forcément pu jouer à l'époque, parce que j'avais pas de PC ou de console, notamment parce que le jeu Splinter Cell était sorti sur Xbox première du nom et PS2 je crois à l'époque. Du coup ça permet de redécouvrir ces jeux-là, enfin de découvrir plutôt ces jeux-là. Sur PC et à mon plus grand plaisir c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire parce que voilà c'est des jeux quand même 3D et je dirais les derniers Splinter Cell en date ou même les derniers jeux 3D de la version Xbox 360 ou PS3 sur mon PC ça marcherait pas. Et là bah ça marche donc je suis très content de jouer voilà un jeu 3D infiltration, enfin voilà un jeu triple A en fait. Enfin, je pense que c'est des jeux triple A à l'époque, je sais pas trop, je suis pas assez spécialiste là-dessus pour en parler plus, hein, bref. Bref, ça me fait plaisir de pouvoir jouer à Splinter Cell et de le découvrir. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire. Alors, let's play, je sais pas, mais bah, de le découvrir en fait via des vidéos en fait. Donc, peut-être que je ferai tout le jeu en vidéo, peut-être que je ferai que quelques missions. Je sais vraiment pas. Toujours est-il que je vais du moins découvrir le jeu Splinter Cell. Alors, pour info, j'ai déjà fait l'intro, le didacticiel si vous voulez. Là, je vais le refaire. Pour moi, pour voir au niveau des réglages, son, image, etc., s'il y a des trucs à faire. Et du coup, je vous retrouve bah, pour la première mission lorsque j'aurai fait le didacticiel, du moins quand j'aurai fait mes réglages. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors je vous retrouve pour la première mission. Donc, le didacticiel, je l'ai fait, enfin, j'ai juste fait tout le début pour moi, les réglages. C'est pas très intéressant, c'est vraiment pour apprendre les mécaniques de jeu, donc bah, vous, c'est pas très intéressant de le montrer. Concernant le scénario, j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. C'est de l'espionnage, donc intérêt politique et compagnie. Honnêtement, s'il y a vraiment de gros trucs scénaristiques, je tâcherai de m'y atteler, mais voilà, je vais juste faire les missions comme on me demande. Bah voilà pour ça. Si, je voulais, il y a un truc que je voulais voir. Ouais, si, donc j'espère que les réglages, c'est bon. J'ai fait 2-3 trucs. Alors, c'est vrai que la vidéo, là, j'ai regardé, c'est pas super, super beau, mais le jeu de base, je peux pas trop améliorer les graphismes. Et ce qui est, enfin, je pense que c'est plus mon système de capture vidéo en fait qui bug un peu, c'est-à-dire que moi le jeu il est ultra fluide, peu importe les settings que je mets en place, mais c'est la capture de vidéo qui des fois ralentit, je sais pas trop, je verrai bien en rendu comment ça donne. Toujours est-il qu'on lance la mission. Fischer, il fait nuit. Non, À c'est un vous de jouer. deck. Votre priorité, c'est de trouver l'agent Blaustein. Vous le localiserez grâce à un contact local C'est de la NSA. sombre. Je suis en route. Alors, Évitez les rues. oui. La police est très présente dans cette ville. Et on n'aura pas le soutien de Washington si ça dégénère en incident. Consultez votre montre terminale. Ouais, en gros, démerdez-vous. Alors, je vais juste voir si je peux. Pourtant, il me semble avoir mis plus de luminosité. Alors, ah non! Alors, ça, c'est un. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou bien. Là, vous voyez, c'est plus clair et là, c'est plus sombre. Donc, moi, je me suis dit logiquement, si je mets le curseur à gauche, ça va être plus clair. Alors que c'est vrai que normalement dans les jeux, bah, on met plutôt le curseur à droite pour aller plus clair. Et ça se trouve, bah, c'est ça. Mais du coup, c'est un peu ridicule. Enfin, je sais pas. Bon, bref, on va voir. Est-ce que ça va être plus clair? Ah oui, là, oui, c'est même trop clair. Alors, attendez, mes réglages n'étaient pas forcément. On va mettre juste un poil plus clair. Pas non plus que ça soit. Parce que des fois. Enfin. Ouais, c'est vraiment histoire de dire. Bon, on va mettre pas défaut. Voilà, de toute façon, je pense que ça va pas faire changer grand chose. Comme ça, on en aura, je dirais, la luminosité de base du jeu. Ok, donc du coup. Ok. Alors, le niveau des contrôles, ouais, bah, je vous explique pas. Enfin, je vous montre pas forcément plus. Enfin, c'est pas utile, quoi. Je trouve qu'il y a des animations assez rigolotes. Genre, moi, ce que j'aime bien, c'est là, il se met contre le mur, et hop, il se frotte. Ça me gratte le dos! Ah merde, et du coup, j'ai activé les touches rémanentes. Non, non, non! Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Bon. Il suffit. Hop. Accroupi, parce qu'on est discret.
Allez hop, une petite glissade. Allez rencontrer le contact. Donc lui, on doit aller rencontrer un contact de la NSA, je sais pas quoi. Voilà, on met les super lunettes. Du coup, ça fait la luminosité du jeu qui est sombre. Du coup, j'ai juste à mettre les lunettes et du coup, je dis trop fort du coup. Hop là. Ne me dites pas que l'organité est là-dedans. Pas besoin de vous le dire, vous savez déjà. Va falloir vous dépêcher. Grimms de Tyr va vous guider. Elle a une carte sonar fournie par notre drone, Darkstar, et les plans de l'entrepôt. Ah merde, non, Sam, oui. Ici Grimms de Tyr. Pardon. Si je te dis de sauter, me demande pas comment, obéis. Je vais te sortir de là. Il y a une pièce de l'autre côté du couloir. Vas-y tout de suite. C'est juste que ça me fait rire les animations. Sauf que, bah, vu que je m'amuse avec, bah, ça fait des touches comme avant. Alors, ouvrez la porte. Faut que j'aille en face. Waouh. Excuse-moi, Fisher. Retourne dans le couloir et va jusqu'à l'escalier à l'autre bout. Ah bah oui, excuse-toi. Quelques secondes. Waouh, la meuf. C'est vrai que visuellement c'est pas très beau, mais au moins c'est fluide chez moi. J'espère que ça l'est aussi en vidéo. Comment ça va ? Est-ce que c'est par là que je dois passer ? Merde, je viens de voir qu'il y avait un tuyau au-dessus. Merde ! En plus j'ai pas sauvegardé, bon c'est pas grave. Fail ! Fisher ? Oui, je sais qu'il fait nuit. Il n'y a pas la peine d'être un super espion de la NSA pour savoir ça. Vous localiserez grâce à un contact local de la NSA. Je suis en route. Évitez les rues. La police est très présente dans cette ville. Et on n'aura pas de soutien de Washington. Bon, on va recommencer et on va faire des points de sauvegarde lorsqu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Comme ça, ça nous évitera de tout recommencer. Enfin, il y a des points de sauvegarde automatiques, mais... Mais pas partout. Ce qui me fait marrer, c'est que Fisher, il a une sorte de montre qui fait genre le tout, genre même le café et tout, qui indique à tous ses copains où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il doit aller et tout. Ça lui indique même quand est-ce qu'il doit aller au petit coin. Genre, j'imagine bien, Fisher, vous devez aller faire pipi, vite, trouvez un cabinet près de chez vous, près d'où vous êtes. Oui, bon sang, excuse-moi, Fisher. Elle a même pas dit quelque dans chose. Le couloir et va jusqu'à l'escalier à l'autre bout. Elle a même pas eu le temps de dire que c'était déjà explosé. En plus, là, il n'y a pas d'effet visuel, donc du coup. Alors, on a dit on sauvegarde. Pour être sûr de ne pas se faire avoir. Sauvegarder. 1. Voilà, et on sauvegardera par-dessus. Voilà, normalement, c'est bon. Ah ah. Peut-être qu'il faut que je. Hop là. Discrétion, discrétion. Ah, y'a pas grand chose à être discrétion. Hein. Qui c'est qui chante? La vache, on a eu chaud. Tourne à gauche tout de suite et traverse la pièce. Tu vas voir un escalier dans l'angle opposé. Monte au dernier étage. Oui, chef. Par là. Mais c'est le bordel. Ah. Est-ce que ma combi m'aurait fait résister aux flammes? Alors je suppose au niveau de l'interface, c'est vrai que je n'ai pas évoqué, mais là à droite c'est la barre de santé, le petit curseur qui bouge, c'est la luminosité, on a notre arme, munitions, bon après enfin, c'est assez vite compréhensif. Ton contact est dans cette pièce, j'espère qu'il n'est pas mort. Je crois que c'est lui là-bas. Attendez, est-ce que je peux viser? Est-ce que je pourrais le tuer? Ah, non, on va pas le faire. Salut! Gerganidze. Oui. Je suis de la NSA. Salut! On va te sortir de là. Ne te fatigue pas. Je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Tu cherches Blostein et Madison. Oui. Madison était bien infiltrée au cabinet de Nicolas. Elle était sur un gros coup. Blostein devait savoir ce que c'était. Comment je la retrouve? La boîte noire de Blostein. Le relais de suivi de ses intradermiques. Elle est dans sa planque, juste à l'est de Morivi Square. Lambert, on a les moyens d'évacuer ce type? Laisse tomber.
Madison est tombé sur un truc énorme. Pourquoi il parle de lui à la troisième personne? Si j'ai des preuves, c'est la guerre. Je crois que Nicolas voulait... Gargolidze est mort. Laissez-le aux flammes. Ça sera seulement expliqué à cette Tu as une sortie sécurisée sur le côté ouest de la pièce. Vas-y. Alors, côté ouest. Déjà, faut que je sache où est le nord, les gars. C'est marrant. Alors, j'ai pas trop compris où est-ce qu'il fallait que j'aille. Alors, il y a sauvegarde rapide, c'est quadré. Je vais juste regarder au niveau des touches. Parce que j'en fasse plus souvent. F5 et F8. Ok. Alors, F5. Parfait. Je suppose qu'il faut que je prenne les tuyaux là, non? Si le level design est bon, je sais intuitivement où je dois aller. Je meurs. F8, on a dit. Chargement rapide, voilà. Ok, ça c'est cool. Ça. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je peux m'accrocher là? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pour interagir avec la porte. Alors, attendez, objectif. Se trouve à l'est de la place Morévi. Et comment je... Place Morévi, alors, nord-est. Je suppose que je suis dans ce bâtiment-là. En tout cas, il faut que je sorte. Pas par là que je vais aller. Il n'y a pas un truc à faire, là? J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire. Attendez, c'est une porte, ça? Il y a trop de fumée, il faut que tu tires sur les lucarnes. Ah bah voilà. Je voyais rien aussi. Alors, je tire sur les lucarnes. Tu vois des lucarnes, toi? Ah ah, là! Genre, on s'accroupit. Il y a d'autres? Ça se voit pas très bien, hein. Non, c'est pas ça. Ah, je sais pas. Moi, je vois rien, là. Ok, je suis en train de juste d'épuiser mes munitions. Ah, voilà, déjà, c'est mieux, là. Ok. Je m'adresse. Pas entrouvrir la porte, comme on a vu dans le déticiel. Ah. Ah, chargement. Ok, jusque-là, tu vois bien. C'est une première pour moi. C'était juste. Oui, en effet. Je fais ce que je peux. Bon, la boîte noire de Blaustein est votre prochain objectif. S'il suit la procédure standard, elle doit être derrière une fausse bibliothèque ou une fausse cloison. Ok. Hey, un intrus. Non. Oups. Oh non, il n'y a personne. Attention. J'ai du lag là, c'est bizarre. Je vois pas grand chose. Ok. Est-ce que je peux descendre là? Lui, il est terrorisé. Je voulais juste savoir où est-ce qu'était le mec. Est-ce que je peux. Attendez. Sauter en arrière. Non. Ça suffit, ça. Vous mettez la mission en péril à couvrir un découvert dans les rues. La mission s'arrête. Ah mais oui, parce qu'on doit pas se faire repérer si on est dans la rue, mais... Oh là là... Genre il m'engueule, genre ça suffit, Sam. Échec de la mission. Ah ouais, comme ça, quoi. 17h36, je suppose, la plus récente. C'était juste. Vous êtes encore vivant? Je fais ce que je peux. Bon, la boîte noire de Blaustein est votre prochain objectif. Alors, est-ce qu'il faut que je passe? S'il suit la procédure standard, elle doit être derrière une fausse bibliothèque. Je pouvais pas aller. Vous n'avez rien à faire ici. Mais qui me voit? Qui me voit? Ah, là, j'ai du lag là, c'est chaud. Est-ce que la porte je peux la prendre ou c'est juste. Non, c'est un élément du décor. Ah, mais oui! Non, pas par là. Pierre, il m'a déjà repéré. Passez-moi, Grinko. Parce que j'ai des ordres. Je ne dois parler qu'à Vyacheslav Grinko en personne. Imbécile. Grinko? Imbécile. Et c'est que t'es là. On a fouillé l'appartement de l'Américain. Oula, il est là, lui. On n'a rien trouvé d'autre.
5 autres micros, 2 caméras et du matériel électronique qu'on n'a pas pu identifier. On les a déjà envoyés au ministère. Bien sûr. Merci. Ha ha. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je peux danser. Nu, 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 nu. Je peux pas l'interroger, genre? Non, ok, bon, tant pis. Au moins, il m'embêtera pas. Est-ce que je peux le balancer par-dessus bord? Ce serait pas mal, ça. Non. Ok, bon, bah, je rage quitte, alors. Alors, est-ce que c'est par là, anyway? On va reprendre les données. Information. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas de curseur pour savoir où est-ce qu'on est. Alors, on est sorti de là. Partons de Blaustein. Place Morévin. Comment qu'on peut savoir où est-ce qu'on est? C'est vrai qu'il y avait la rue là. C'est possible qu'on ait fait ça. C'est possible qu'on soit à l'appartement de Blaustein. Ah, je peux prendre l'objet. C'est vrai que ça me paraissait bizarre qu'elle soit aussi mise en valeur. La connette. Et genre, je vais m'en servir comment? Objet. Ah, ok. Oh. Tiens. Hein? Ah! Quoi, mais c'est parce que j'ai uniquement balancé la canette? Il m'a fait peur en plus, cet abruti. J'étais en train de comprendre comment le jeu fonctionnait, et puis là, un intrus. Oh là 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 là. On va essayer quand même de prendre le corps, on va essayer de rattraper un peu notre erreur. Moi, les accents me font marrer, parce que je trouve qu'ils sont un peu trop prononcés, après. On en fait ce qu'on en veut, hein. Pour fermer la porte, genre faire sa propre et tout. Non, même pas. Oh. Dire un enfant devant la télé. Sam, viens te coucher. Non, je regarde la télé. Ah, un autre objet. Je suppose du coup que je peux en prendre qu'un. J'ai pas accès à un autre inventaire que. Ah, comment c'est comme ça, inventaire. Gadget. Coco Gadgetto. Fibre optique là, ça je l'ai pas encore utilisé. Objet, et eh ben il me met pas ma canette. Bon, tant pis. Alors je suppose que je suis dans l'appartement de Blaustein. Là je suis en plein lumière, c'est pas cool. En même temps, s'il y a plus personne parce que j'ai tué tout le monde, c'est pas trop grave. On va faire genre, on va se mettre à couvert si on peut. Avec sa bouteille à côté. Oups. C'est ce qui s'appelle se craquer. Est-ce que je peux péter les lumières? Oui. Celle-là aussi? Oui. Genre, je peux avancer comme ça. Pas mal. Coucou. Ah oui, c'est derrière une fausse cloison, c'est vrai. Sors de là. Ce tableau est tellement bien mis en évidence. Ça me paraît suspect. Non. Haha. Oh oh. J'ai les ordinateurs, oui, mais il faut un mot de passe quelque chose, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi de neuf? Le cœur de Blaustein s'est arrêté il y a 43 heures. Hein? C'est possible que la CIA soit pas au courant? Non. Ils auraient pu prévenir. L'intradermique s'est éteint 6 heures après sa mort. Sa dernière position est un commissariat pas très loin. Consultez votre montre terminale. Démerdez-vous. Alors, déjà, évitez tous les civils. Ok, la mission sur le dragon, ça, ok. Trouver la boîte noire qui est dans l'appartement de Blaustein. Ok, donc je pense que c'est ce que j'ai trouvé. Trouver l'endroit où Gergen... Nid dépose ses informations sur la place Morévi, ouais, afin de voir comment pénétrer dans le commissariat de police. Ok, j'ai pas trop compris. Est-ce que je peux utiliser Internet?
Il fait juste des joujoux avec le clavier. Et du coup, ah ok. Donc, je vais voir mes notes. Données. Carte M. De William Robert Blaustein. Monsieur Sutton, je pense qu'il nous faut cesser de vouloir éviter de dire que l'agent Madison est mort. Nous devons plutôt nous demander pourquoi et surtout comment Nicolas a pu penser qu'il pourrait nous cracher cela, nous cacher cela. Je veux juste le code, les gars. Transmettez à... Alors, 09-17-72. 09-17-72. Oh, access granted. Je peux pas entre-ouvrir les portes. Parce que c'était cool de le faire, ça. Alors... Oh non, mais je suis bloqué par la porte. Est-ce que les portes se ferment toutes seules? Est-ce que c'est pas par là que je dois aller? Ah ah! Les portes se ferment toutes seules. Qu'est-ce que... Ça a bougé? Non. Genre le balcon a bougé. alors, trouver ou Gorgonzon, il pose des infos. Si je... Alors, oui, je m'excuse hein, de refaire toujours les objectifs, mais... Donc, ça va place Morévi. Ok, ok, je fais n'importe quoi, voilà. Alors, place Morévi, je suppose que je suis là, là. Faut que je descende. Par où est-ce que je pourrais descendre? J'ai plus beaucoup de santé. Lui, j'ai vraiment envie de le tuer. Surtout qu'il est alerté. Non. Ah non, là, il y a un câble. Haha. Oula. Oui. Je suis un triclope. Un triclope. Est-ce que je peux passer par là? C'est un peu pété des fois d'avoir que les lumières. Enfin, je sais pas. D'avoir les lumières thermiques. Est-ce que je peux descendre par là? Alors, attendez, on va déjà remonter, on va sauvegarder. Voilà. Avant de faire n'importe quoi. Est-ce que je peux sauter sur les câbles là? Alors, attendez. On recommence, on essaie de faire ça bien. Allez, Samy. Ok, non, il descend aussitôt. Ok, tout s'est bien passé sans accro. Et là, il me troll, genre, je pouvais monter. Ouvrir trappe. On est plein dans l'immersion, là. J'annule l'interdiction d'emprunter les rues. Ah bah. On a écouté les fréquences radio de la police de la ville ici. Ces flics sont aussi pourris que de la viande avariée. Ils n'ont pas plus intérêt que nous à attirer l'attention internationale. Passez où vous voulez et faites tout ce qu'il faudra pour retrouver ces agents. Mais genre au début, ne passez pas dans la rue, puis il m'a engueulé tout à l'heure quand je passais dans la rue, et là, bon, ok Fischer, ça va, vous pouvez passer dans la rue en mode désolé, on est toujours copains, quoi. J'ai trouvé un cadavre. Hein? Ah oui, merde! Genre les mecs, ils sont passés jusque devant l'appartement. Pas mal, ok. Cette opération repose sur la discrétion. Attention, là, ça va. Le mec. Je crois que c'était là en plus. Donc oui, il disait que les flics sont tout aussi pourris, donc je peux les buter ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que le petit bruit d'alarme, le tunit, on l'entend dans plein de jeux vidéo. Et celui que j'ai en tête, c'est le jeu Batman Begins sur GameCube, entre autres aussi sur PlayStation 2, etc. Que j'avais joué, et il y avait cette alarme, et il y avait des niveaux où elle était mais genre retentissante, et c'était chiant parce que ce bruit-là est très assourdissant. Bref, c'était l'anecdote. Porte fermée à clé. Alors, on va prendre les crochets. Alors déjà on va retirer ça. J'ai ultra galéré dans le didacticiel de savoir comment on crochetait une porte. J'ai dû aller voir un tuto sur internet. No fake. Et maintenant tout va bien. C'est quand même assez simple par contre de crocheter. Hein. Il n'y a pas d'échec j'ai l'impression. J'ai pas le réflexe de péter les lumières encore. Mais on va le prendre. Ouh, premier coup. Ouais. Je suis sûr qu'on peut facilement te trouver une tombe. J'ai rien fait. S'il vous plaît. Comment ça, rien? Mais en état d'ivresse. Flic, ça. Un officier de police. Officier de police. Tu nous as accusé d'être corrompu. Alors arrêtez-moi. Je veux dormir.
T'as pas écouté, on dirait. Les loyers ont augmenté en prison. Si tu veux mourir ce soir, c'est gratis. Si tu veux dormir, il faut payer 100 larry. Pitié, j'ai pas... Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Je regarde juste la carte. Non, toujours pas, oui. Enfin, les pouilles de leur carte. Je sais pas où je suis. On va avancer un peu, c'est pas grave. J'appelle le QG. D'accord. Unité 3 à QG. On a un homme à terre. Agression possible. Envoyez une ambulance. Bien reçu, Unité 3. Mais on a un incendie dans un entrepôt. Va falloir attendre. Bien reçu, QG. On attend avec la victime. Unité 3 terminée. Agression? On mettra ça sur le dos de Costa. Bonne idée. Ce n'est pas par là. Et c'est quoi ce magasin si je peux arriver à me repérer? Ouais, c'est pas. Ça a l'air un truc de bouffe. Est-ce qu'il y a un truc de bouffe sur la carte? On essaie de jouer comme ça, hein. Ruelle. Peut-être que c'est par. Ouais, non. Une disquaire. On va remonter, mais il y a les deux flics là. Peut-être que je peux genre faire ça. Est-ce qu'ils sont intelligents ou non? On va le savoir tout de suite alors. Petite sauvegarde rapide. On attaque. Ok. Faut juste que j'arrive à viser. J'ai des ennuis. Vite. Faut savoir où le. J'ai des ennuis genre. Qui est là? Je l'ai eu, mais il m'a vu. Ah par contre c'est chaud ça. Qui est-ce? Je suis Paul. J'ai entendu du bruit. On a filé. En même temps, c'est un pistolet silencieux, les gars. Sortez des ennuis, vous voir. Est-ce qu'il faut que je tire pour avoir la lupiote? C'était juste. Quoi? Vous êtes encore merde. Je fais ce que je peux. Putain. Il m'a chargé une partie, mais genre. Super loin, lui. Bon, alors attendez. Peut-être un passage, je sais pas moi. Ah, mais attendez. Peut-être que je peux sauter là par-dessus la barricade. Ouais. Il faut que je mette mes skills. Oula. Je marche dans les airs. Que je mette mes skills là. Coucou! C'était pas ça. Enfin, peut-être si, mais. Peut-être fait trop de bruit, alors attendez. On va réessayer, hein. Pas de shame à essayer. Quelque chose a bougé. Non, c'est faux. Agresseur non identifié. Merde. J'aurais bien la jouer pas en full stealth, mais en passant quand même. J'ai entendu du bruit. Putain, mais par contre, les lumières, tu vois. Genre, je vais me mettre sous leur nez pour tirer sur la lampe. Tout à l'heure, je l'ai eu, hein. Ah là. Pire, je vais les buter, puis ça va être bien. Oui. Oh, mais non, mais... Bon, vous savez quoi? On va essayer de passer derrière eux, mais à mon avis, ça va être mort. Et après, je vais les tuer s'ils me repèrent. Coucou. Bon, on va les tuer, hein. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il s'est pris une balle dans la tête. C'est bon, la musique, c'est bon. On peut arrêter, il n'y a plus de danger. Voilà. Eh, mais j'avais pas de bouteille. Ah non, je les ai balancées, mince. Ah, zut. Alors, attendez. Si je tire là-bas. J'ai des ennuis. Ah, les mecs, c'est des Robocop, quoi. Ouh. Et bah voilà. On est d'accord, il nous avait dit que j'avais le droit de tuer, hein. On a un rapport de ce qui est au sujet d'un homme très bien
l'armée. T'as pas l'air d'être un de nos associés. Quelques-y. Toi et tes hommes, occupez-vous de ça. Ok, j'ai ramassé une bouteille de vodka. Non, je peux rien faire avec le corps. Je sais pas pourquoi j'ai une bouteille de vodka. Hein. C'est juste que ça fait genre la grosse bouteille d'alcool. Alors là, il envoie ses potes là. Je sais vraiment pas comment j'aurais pu passer autrement. Hein. Mais allez, on avance. Je peux pas. Non. Ah, je suis obligé d'avoir ma bouteille. Hein. C'est nul ça. Bizarre. Cadeau. Bizarre. Ah, genre prendre le réflexe. Ça, c'est déjà plus gros comme mon projectif. Voilà. Est-ce que je peux passer par la porte là? Le mec il voit, il pète la lumière, du coup il voit plus ce qui est devant lui, du coup il utilise ses lunettes thermiques, c'est un peu... C'est lui le civil qui m'a balancé, là-haut, là-bas. Je pense que c'est ça la place. Hop. Coucou. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est une canette. Hop. On va voir là-bas si j'y suis. Oh merde. Je sais pas trop où je dois aller à vrai dire. Enfin, je sais vraiment même pas du tout. Hein. Comment est-ce arrivé? Comment est-ce arrivé? Est-ce que je peux monter quelque part? Je suis pas armé. Ah, c'est un civil, c'est cool. C'était un garde et tout. Alors non, ça fera plus de boulot pour les électriciens. Par contre j'ai plus que 4 balles, c'est pas forcément très intelligent de ma part d'avoir fait... Waouh, j'espère qu'on peut trouver des munitions en fait. Bon alors attendez, hop, on va essayer de progresser. Petite sauvegarde. Non, ça a l'air d'être là. Qu'est-ce que... Ça a bougé? Qui me parle? Je pouvais... Ah non, c'était ça que je pouvais prendre, sans doute. Ah mais alors, attendez, peut-être que j'ai pas... Juste à fouiller dans la place. Ah, il y a quoi, là? Ah ok, non, c'est juste la canette. Ah, je suis dans la flotte. Je suis perdu. Je ne sais pas où aller. Je ramasse des canettes et tout ce que je sais faire. On va envoyer des petits cailloux à la fenêtre des... Bon, objectif. Sur la place Morévi afin de voir comment pénétrer dans le... Mais est-ce que je suis sur la place Morévi? C'est ça la question dont les Français se posent aujourd'hui. Place Morévi. Oui, c'est bah oui, c'est sans doute ça. Oui. Je suis arrivé par là, ouais.
D'accord. Ok, je suis à la place Morelli, enfin, je pense. Une bonne chose. Puis moi, comme une merde, j'ai tout. J'ai perdu toute la lumière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là? Attendez. Eh hey, hey! Sam Fisher. Oh oui! Ordinateur super secret. Et ben voilà. Entrez dans le commissariat de police. Oula, il y a une alarme. Alors, commissariat de police. On est là. Il est tout là-bas. Ok. Ok. Oh, un kit. Ça va pas bon. Comment je m'en sers? Ah, c'est dans mon inventaire. Ah ah. C'était quoi ce bruit? Oh. Genre le mec il a kiffé quoi. Ouh, je sais pas ce qu'il y avait dans ce kit de soins mais. Ouh, comme il dit hein. Ah, une autre prise de soins. Attendez, attendez, attendez. Ouh, mais c'est qui kiffe le Sam Fisher hein. Alors. Est-ce que je peux. Ah oui, la porte là-bas c'est ouverte. Bon, on n'aura pas été un super fantôme, hein. Je le conçois. Hein? Il me fait peur lui. C'est le marathon de nuit, c'est ça? Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça? Non. Mais c'est ça qui est bien avec ces genres de jeux, c'est qu'il y a une arborescence d'approche, n'est-ce pas? Bon bah là je fais toute la rue. C'est quand même bizarre comme quartier. C'est quoi ça? C'est un flic ça. Alors lui on va essayer de l'avoir discrètement. Quoi? Mais il m'a pas vu là. Merde. Vite, 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 vite. Merde. Sortez les mains en l'air. Attrape-moi si tu peux, ouais. Vite, 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 on se cache. Où est-il passé? Ouh, je l'ai fumé là. Bon Dieu. Ah merde! Restez là! Je vais me cacher! Non. Merde! Bon, ok, on va le refaire. Sauvegarde rapide, 17h57. Ouh, c'est loin ça. Merde, bon. C'est vrai que c'est ma faute. Mais non, mais non, mais non. Faut arrêter la fumette, l'ami, c'est tout. Hop. Allez, on se refait du bien. Attends, c'est bruit, quoi. Alors. Pilipip, 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 pilipip. Ah là là, le piratage internet, c'est plus. Piratage informatique, c'est plus ce que c'était. Ouh. Comment c'est arrivé? Lui, il faut que j'arrive à le choper, lui. Oh que... Non, mais non, j'étais. Oh. Pardon, c'est ma faute. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression qu'il disait je crois qu'il est mort. Si on regarde ses lunettes. Attendez. Roulade. Écoutez, c'est la première fois que je joue à ce jeu, et en plus, je suis pas du tout un joueur PC, et encore moins pour ce genre de jeu, voilà, style action-aventure, où il faut être assez précis. Mais... Donc je galère un peu, c'est tout à fait normal. Alors, est-ce que le flic m'entend? C'est vrai que j'ai couru vers lui. Alors, déjà, on va sauvegarder. Voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Ok. Imagination. Oui, tu devrais écrire des livres d'ailleurs. Genre qui s'appellerait Tom Clancy, un truc comme ça. Est-ce qu'il reste là-bas lui ou est-ce qu'il va bouger? Ouais, vas-y, reviens. C'est pas bon. J'espère que c'est le même flic que tout à l'heure.
Oui, oui, allez. Je sais pas s'il voit mes lunettes. Ne te retourne pas. Par contre, arrête-toi. Mais il va où comme ça? Bon, on va l'attendre, c'est pas grave. Hein. Je vois pas là, voilà, je suis bien caché. Qu'est-ce que... Allez. Mon Dieu. Je l'ai. Oh yeah. Et ben voilà. Oh purée, c'était compliqué hein. Allez, on se casse, on sauvegarde, et on se casse. Toi, marathon de nuit, je veux participer aussi. Pas une bonne idée d'ailleurs. Il est où? Il est là, ok, lui il va pas m'alerter. Par contre, le flic là-bas, alors ce qu'on va faire, il me reste que 4 balles. Oh yeah, ça c'est de l'infiltration. C'est une caméra ça? Non. Alors, on va dans le commissariat. Donné. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc j'étais là, j'ai fait ça. Alors je suis là. C'est tout droit, droite, gauche. Ok. Ah, la petite, voilà. Le Père Noël. T'as pas été sage cette année. Sacoche. Les munitions. Carte M récupère dans la sacoche. Mais je m'en fous de ça. Enfin, attends, ça fait quoi ça? J'ai combien de carte M là? On peut pénétrer dans le commissariat en entrant le code suivant. Ok. Ok, bon, 59 combien? 29, ouais, c'est ça. C'est des munitions qui va me manquer, parce qu'à faire le foufou, à tirer sur toutes les lampes, moi... Je dis ça, mais quand même... Mais comment? Je suis aussi magicien. Il a une arme, peut-être que je pourrais lui prendre des munitions. Ha! Boum! Fait de dos. Je le mettrais bien dans le coin, mais il est éclair. Il est éclairé le coin aussi. Allez, hop, on va te mettre là-bas. Voilà. On sauvegarde. C'est quoi ce truc-là? Ah non, c'est la lumière. Mais... Par contre, où il est planché, ça me fait... J'ai mis le... No shit. Ok, je regarde juste à peu près où est-ce que je suis sur la carte. Alors j'ai 59-29 pour entrer dans les cellules. Quoi, qui m'a vu? C'est pas le commissariat ça. Non, non, le commissariat il est à droite là. Ouais, c'est ça. Que j'arrive à pénétrer. C'est pas ce que je voulais faire. Je suppose que c'est le commissariat. Alors, ça c'était trop beau pour être vrai.
Allez quoi. Non, dans l'autre sens. Voilà pourquoi j'aime pas jouer aux jeux PC. Ouf. Chargement. Ouhou, on est rentré. Enfin, on a avancé. Je sais pas combien de temps de vidéo on est. Il est quelle heure là? Ok, je vais jouer encore un peu, je vais voir, je pense que je suis sur la fin de mission là. Il me reste quoi comme objectif? Ok, ouais. Alors. Allez, c'est 59-29 dans la cellule. Access granted. Coucou. Attends qu'il refasse le tour, là. Je suis un gardien. À moins que je puisse avancer. Ouais. Ah, puis il y en a un tout au bout là-bas. Oh my god. Et j'ai que 2 balles. Tu m'as une idée. Coucou. Je fais aussi de la lévitation. Bon, on va avancer, écoutez. Des fois, il faut tenter. Un genre de commando. Dégagez le passage. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Est-ce que j'ai pas une carte intérieure? Ça serait trop beau, ça. Ouais, non. Faut juste que je... localise l'agent Blaustein. D'accord. Ça, comment il m'a vu? Un interrupteur, ça. Hé hey, je suis là. Devine qui est là. Ouh, ça, c'est de l'infiltration. Voilà. Par contre, voilà. Mes 3 petits yeux, là, dans le noir, il les voit, quand même. Faut pas déconner. À un moment, enfin, je sais pas, c'est le seul truc que tu vois en plus dans le noir. Ça me fait chier, faudra revoir un peu ta discrétion. Alors, avec un super écran de veille. C'est quand tu m'as reprise dans l'ordinateur. Moi, c'est des munitions qu'il me faudrait. Parce que je suis à court de munitions. Porte fermée à clé. Ah ah. Nous avons les crochets. Oh mais non, mais lol. Mais what the fuck? Rallumez la lumière. En même temps, j'ai ouvert la porte là-bas, mais c'était pas forcément... Boum. C'était pas forcément ce qu'il fallait faire, hein. Quoi ça? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Une canette. Tiens, prends ça. Oui.
Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il fallait. Non, peut-être peine continuer par là. Hein. Il y a un mec là-bas alors. Sauvegarde automatique. On va explorer, hein, je sais pas trop où est-ce que ça nous mène. Ok. Sauvegarde. Même si j'ai fait 10 mètres, c'est pas grave. Mais d'où? Mais ah, oh, mais lol! Merde. Faut vraiment rester ultra discret en fait. Hein. Des fois, j'ai pas envie de rusher et c'est vraiment une mauvaise. Mauvaise idée. Oui, bah oui, ça va de soi. Mais... Alors déjà. Oh non, mais là, mais tu déconnes! Les mecs, ils ont des yeux derrière la tête. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment je vais la tirer, la vie? Ah, plus dans le noir, tu mets. Hein. Bonjour. Je souhaite parler à votre supérieur. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Je peux vous aider. J'aimerais déposer une plainte. Dans ce cas, passez au bureau sur votre droite. Très bien. Très bien. Est-ce que je peux le tuer maintenant? Enfin, le tuer, non, mais... Je peux vous aider? C'est encore vous. Oui, mais c'est le bureau de relations publiques. Très bien. Mmh. Je viens pour porter plainte. Bien sûr, monsieur. Si vous voulez vous asseoir, quelqu'un va s'occuper de vous. Vous vous fichez de moi ou quoi? Je peux vous faire arrêter sans problème, monsieur. D'accord. Ah oui, je comprends qu'il m'ait vu. Il est où l'autre? Il va me voir, lui. Il y a quelqu'un là-bas? Non, non, il n'y a personne. Comment? Oh mon dieu! Oh merde! Rendez-vous! Passer sur le côté, il n'y a pas quelque chose au plafond là. Hein. Ah mais voilà. Je souhaite parler à votre supérieur. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi. Je peux passer par là. Vous aider. J'aimerais déposer une plainte. J'ai cru voir quelque chose. Oui bah t'as juste cru. Ça a bougé? Non. Ah, je sais même pas où je suis. On se cache. Mais en fait, je suis où là? Je sais pas où je suis. Je vais m'occuper de mes affaires. Ouais, ça vaut mieux. Décidément, je travaille trop. Alors, attendez. Données. J'ai l'impression que, ouais, que je suis sorti du commissariat, peut-être que je suis sorti par l'arrière. Mais moi, ça m'arrange pas, quoi. Faut...
Mais lui là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Allez, montrez-vous! Écoutez, on va s'occuper de notre flingue là. Arrête de bouger! J'ai un accident ici! J'ai plus de balles! Alors, ce qu'on va faire. Que je vois vraiment pas comment on peut passer full stealth. Parce qu'on va attendre que le policier parle à l'autre là. Voilà, pour l'attaquer derrière. Voilà. L'autre c'est un civil donc il a pas l'air d'être dangereux. Je souhaite parler à votre supérieur. On l'assommera aussi je après. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Je peux vous aider. J'aimerais déposer une plainte. Dans ce cas, passez au bureau sur votre droite. Très bien. Allez. Je peux vous aider. C'est encore vous, oui. Mais oui. C'est le bureau de relations publiques. Très bien. Attendez. Mais comment des fois c'est traître hein. Mais genre abusé quoi. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Ah, mais comment tu me vois là, sérieusement? Franchement, comment il me voit? C'est abusé. Oh là 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 là. Là j'avoue je j'apprécie pas du tout. Hein. Est-ce que je peux pas péter hein, une lumière dans la salle? Ah, ça va se protéger à tous les coups. Je souhaite parler à votre supérieur. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Je peux vous aider. J'aimerais déposer. Un officier a besoin d'aide. Monsieur Destrade. Allez, voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, relève-toi, Samy. Voilà, il ou l'autre. Bon. Ça, c'est quoi? C'est l'alarme, on va pratiquer l'alarme. On va utiliser l'ordinateur. Prendre une trousse de soins. Alors. J'ai pas l'impression que ça m'ait apporté grand chose dans ma mission. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Objet. Tiens, je me venge pour les canettes. Bon. Je pense que c'est par là. Il est où l'autre là? Et honnêtement, comment on passe quoi? Sans se faire repérer tellement que les ennemis. Ah oui, il y a là, d'accord, ok. Je pensais que j'avais pas vu qu'il y avait cette porte-là. Ok, autant pour moi. Mais en même temps... Qui est-ce? Et merde. Vous êtes Dieu. On ne gère pas, c'est pas bien. Ah, ouais, bon.
Et je repars là. Bon, comme ça, on va faire... Comme on a dit... Alors, j'aurais sûrement coupé au montage, parce que c'est vrai que c'est assez long et pas forcément très intéressant à regarder. Je le conçois. On va essayer de passer à la full discrétion. Je souhaite parler à votre supérieur. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Je peux vous aider. On va rester dans la zone d'ombre. Dans ce cas, j'ai cru voir quelque chose. Mais non, mais... Oh mais quoi? Ça va se terminer en rage kit, ça. Hein. Alors, faut que j'attende que le flic se rassoie. On n'est pas pressé. C'est juste que moi, c'est pas que j'ai pas de patience, mais il y a un moment où voilà, c'est fatigant quoi. Je peux vous aider. J'aimerais déposer une plainte. Dans ce cas, passez au bureau sur votre droite. Très bien. Je peux vous aider. C'est encore vous, oui. C'est tellement ridicule comme ça. En plus, ça fait 20 fois que je me la tape là. Je viens pour porter plainte. Bien sûr, monsieur. Si vous voulez vous asseoir, quelqu'un va s'occuper de vous. Vous vous fichez de moi ou quoi? Je peux vous faire arrêter sans problème, monsieur. Ah voilà, asseyez-vous. Voilà, en espérant que lui ne me détecte pas. Il y a qui êtes-vous? Non! Mais c'est pas possible! Oh là 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 là! C'est que tous les gardes vont être alertés là maintenant! Mais c'est fou quand même! Comment je vais faire si je tuais le mec? On va essayer, hein. Je souhaite parler à votre supérieur. Je peux vous aider, monsieur. En allant chercher votre supérieur. Il n'y a que moi ici. Je peux vous aider. J'aimerais déposer une plainte. Dans ce cas, passez au bureau sur votre droite. Très bien. Mais là, je suis dans l'obscurité, quoi. Enfin, c'est vraiment un tatillon. Oh là là. Est-ce que je peux shooter la lumière en haut? Je peux vous aider. Peut-être que... Qu'est-ce que c'était? Ok. Je peux pas. Je peux vous aider? C'est encore vous, oui. Mais c'est le bureau de relations publiques. Très bien. Je viens pour porter plainte. Bien sûr, monsieur. Si vous voulez vous asseoir, quelqu'un va s'occuper de vous. Vous fichez de moi? Je peux vous faire arrêter sans problème, monsieur. Je vais tuer le civil. Ouais, mais attends, le civil, il va me dire... Je dois pas tuer de civil en plus dans les objectifs, là. Éviter. Ah, c'est qu'éviter, alors. Arrêtez! Non, mais... Bon. On est passé. J'ai plus de munitions. C'est génial. Allez, voilà, blablabla. Allez, on prend ça. Peut-être que je pouvais éteindre la lumière comme ça, mais... Ouais, non, enfin, je pense pas. Quoi. Bon, alors, on va passer par là. Ah, Blochstein, où es-tu? Est-ce que je vais pouvoir passer derrière eux sans les alerter?
Sinon, on va regarder la vision. Là, j'ai pas trop d'autres solutions. Là. Ok, on se regarde. Parce que tous les coups, je vais me faire avoir derrière la porte. Il y a personne. Ok. Ok, je préfère être dans le noir pour le coup. J'adore leur écran de veille. Carte mémoire. Ok, est-ce que ça va me donner des informations concrètes ou pas? J'ai pas l'impression. J'espère vraiment que c'est le dernier. Non, mais. Voilà. Je disais, j'espère vraiment que c'est le dernier niveau, en quelque sorte, de la mission. Parce que c'est un peu éprouvant. Alors, on va se regarder là, parce que j'ai l'impression que je vais me faire avoir encore. C'est quoi? C'est les toilettes ici? Non, ça n'a pas l'air d'être les toilettes. Voilà. Est-ce que. Non. Alors, est-ce que maintenant je peux utiliser sacoche? Carte M. Mais on s'en fout de votre vie, les gars. Oui. Qu'est-ce que ça me fait? Ok, c'est juste taper sur les boutons, en fait. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui. Mais là, il va me voir, lui. Oh là 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 là. Je veux pas dire, mais je suis debout à un mètre du mec, quoi. Oh là 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 là. Des fois, l'IA est... Oui, je suppose que c'est Bluffstein. Alors, attendez. Alors, je disais que l'IA des fois est... Voilà. Un genre de commando, ouais, c'est ça. Et des fois, ça a l'air un peu ridicule. Alors, où est-ce que je vais passer, là? Oh, comment peut-être que je peux le... Voilà. Voilà, si je fais ça aussi. Si je peux les neutraliser. Voilà, là je serais peinard. Pas de munitions, ça sert à rien. Ok. Je suppose que c'était Bluffstein là-dedans. Fait que ce soit lui, j'ai vraiment un peu marre. Non, 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 non. Après, ce qui est certain, c'est que je pense pas que je m'attarderai sur ce jeu. Hein. Pas qu'il est mauvais, c'est juste que j'ai, voilà, j'ai pas trop de satisfaction des fois. Alors, t'es qui toi? Alors, en fait, c'est juste un mec. Ah, c'était juste un mec en fait. Fermé à clé. Eh ben on y retourne, c'est pas grave. Accroché, c'est infini apparemment.
Oui, mais encore. Ah, des munitions, cool. Mais localiser l'agent Blostein, mais... Activer l'objet, c'était quoi ça? Ok, d'accord. Mais c'est qui lui alors? Oh lolo 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 lolo. Oh, je sens que j'allais voir une Solius parce que... Ça fait deux fois que je suis sur les ordinateurs et puis... Y'a rien. Pff, un bordel pas possible dans le comico. Bon, vous savez quoi? Je vais voir un petit Solius. Je reviens tout de suite. Parce que ça me prend un peu le chou. Alors, d'après les Solus que j'ai trouvé, il semblerait bien que le gars là soit Blostein, j'ai plus trop quoi. Blostein, voilà, merci. Mais j'ai dû louper des trucs avant. Notamment quand on était au premier étage. Ce qui du coup m'empêche de le récupérer ou je sais pas quoi, parce que oui, là, enfin, je pense que c'est... Qui est-ce ? Merde, lui, j'avais oublié, lui. Je pense que c'est lui, mais... Oh, il se baisse ! J'avais oublié. Ça, j'avais déjà fait. Alors. J'aurais tué tout le monde dans le commissariat. Tout va bien. Voilà, j'aurais déclenché l'alarme. Parce qu'on doit sortir par là. C'est ce que j'ai pu comprendre. Sauf qu'il faut que je récupère Blostein. Mais quand je suis devant lui, enfin du moins quand je suppose que c'est lui, et ben, je ne peux rien faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là. On va essayer de battre tout le monde en fait. Comme ça on va... Au moins on sera tranquille. Apparemment, fallait passer par là, et interroger un mec avant de monter à l'étage. Ouvre-toi, porte, ouvre-toi. Où est le mec qui me cherche? Je suis en pleine lumière, là. Merde, si je fallait que j'interroge lui. Zut. C'est possible qu'il fallait que je l'interroge. Oups. Oups, oups, oups. Attends, est-ce qu'il y a une autre porte là-bas, là? La morgue. Ah mais oui, il y avait un truc avec la morgue. Ah ah. Quoi? Non. D'où qu'il y avait une caméra de surveillance? Ah bah oui, là. C'est la limite. Encore une alarme et j'interromps la mission. Ah bah j'ai une limite alors, c'est cool. J'ai localisé les agents là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On musique. Il y a une caméra de surveillance ici. Bonne idée. On va missionner dans un chiffre. De oui, je sais. Ok, d'accord. Il n'y a plus personne dans le comico là.
Mais c'est tout le monde. Donc en fait, le mec tout là-haut, c'était pas Blochstein. Allez, maintenant on se la joue marathon. En fait, le mec là-haut, c'était pas Blochstein. C'était un autre mec. Blochstein était mort. Et il fallait passer par la morgue, d'accord, ok. Donc j'ai fait ça avant. Ça aurait mis du temps quand même. Voilà. Ça, voilà, ça m'aurait étonné que ça, ça se soit réveillé. Il est en train de parcourir les vidéos. Là, c'est notre homme. Pris la main dans le sac. Vous pouvez chercher dans le fichier d'échelon. C'est déjà fait. Voilà, j'ai une plaque d'immatriculation. 84 KP 214. Fantastique, Fischer. On a ce qu'on cherche. Oui, je suis trop fort, hein. Rejoignez Wings. Votre mission ici est terminée. On vous recontacte dès qu'on aura épluché ces données. Et ben voilà. Attendez, est-ce qu'il reste encore à sortir? Où êtes-vous? Nulle part. Vite, vite, vite. Yes! Mission terminée. Et ben voilà, moi je vais m'arrêter là parce que c'était long et éprouvant. On savait pas des fois où est-ce qu'il fallait aller, ce qu'il fallait faire, comment on passait les gardes qui avaient des yeux dans la tête. Voilà, les corps sans vie de Blochstein. Bon, franchement, on s'en fout. Voilà, j'ai réussi la mission. Je ferai pas un let's play dessus, c'est mort. Ou alors, si vous aimez vraiment me voir galérer, ça serait quand même assez sadique. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là parce que je sais pas combien de temps j'ai joué. Une bonne heure, si ce n'est plus. Donc, je vais voir au montage pour que ce soit un peu plus regardable. Moi, ça m'a permis voilà, de découvrir un peu Splinter Cell sur PC. C'est vraiment pas ma tasse de thé, hein, les jeux sur PC, j'ai beaucoup de mal. Bref, cette vidéo est déjà trop longue, je vous remercie de l'avoir regardée, pour celles et ceux qui ont été jusqu'au bout. merci et à la prochaine, salut!